Oh, c'est pas des effets spéciaux? En effet, Johnny Cage. Kwai Liang. Bon, retour à la case départ. T'es qui, toi, déjà? Je suis Liu Kang, protecteur du royaume Terre. Dieu du feu. Ok, pour le dieu du feu, d'accord. Mais, le royaume Terre? Tu comprendras bientôt, Johnny Cage. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous ayez été tous les deux choisis pour devenir ses champions. Bah pourquoi lui? Et puis surtout, pourquoi moi? Parce que j'ai foi en vos capacités à relever ce défi. Et cette opportunité pourra changer grandement le cours de vos vies. C'est une très mauvaise idée. C'est du génie, Raiden. La prochaine fois qu'on voit Sub-Zero, fais-moi penser à le remercier chaleureusement. Tu vois, ça ne marchera pas. Peut-être que ça marche trop bien. Oh, faut qu'on accélère un peu. Ça fait des mois qu'on est coincé ici. Moi, je peux pas baser tout un univers cinématographique sur les monstres de l'outre-monde et la magie, si j'en vois jamais! C'est pour ça que tu es là? Liu Kang a dit que ce boulot changerait le cours de ma vie. Alors, allons-y. J'ai hâte de voir mon ex revenir en rampant. Quel altruisme. Oh, je t'en prie, le tatoué. T'es juste là pour récupérer ton épée. Nous avons tous nos raisons d'être là. Certaines sont meilleures que d'autres. Mais on n'est pas là pour se battre entre nous. On est là pour défendre le royaume Terre. Eh ben, c'est pas trop tôt. Et aujourd'hui, l'un d'entre vous sera choisi pour le défendre au tournoi. Un seul, Seigneur Liu Kang? Mais l'Outre-Monde n'a-t-il pas plusieurs champions? Les règles du tournoi donnent l'avantage à l'organisateur. Et cette fois, c'est au tour de l'Outre-Monde. Ok, alors c'est vrai que j'aurais dû poser la question plus tôt, mais c'est quoi notre classement dans le tournoi? Le Royaume Terre et l'Outre-Monde ont toujours été au même niveau. Mais l'Outre-Monde se renforce. Et s'il gagne, ses factions les plus turbulentes s'enhardiront immanquablement. Mais vous admirez l'Outre-Monde? Ce royaume regorge de connaissances, de richesses et de beauté. Mais il a d'autres croyances et d'autres objectifs. Nous coexistons en paix, car l'Outre-Monde respecte notre force. Au moindre signe de faiblesse, nos rivaux deviendront nos ennemis. Je ne perdrai pas, Seigneur Liu Kang. Vous devez d'abord gagner le droit de nous représenter. Celui qui surpassera tous les autres sera choisi. Raiden, je t'en prie. Bon choix! Les faibles en premier. C'est ton adversaire, Johnny Cage. Prêt pour ton gros plan? Allez, c'est parti. Et oublie pas le fermier. Je suis une superstar des arts martiaux. Je doute que tu sois prêt à m'affronter. Je suis prêt, Johnny Cage. Mon corps et mon esprit ne font plus qu'un. Fight! That's right!
Ce combat était un honneur. Oh, il n'y a pas de quoi. Kenshi Takahashi, tu es le suivant. Tu as du talent, Raiden, mais trop peu d'expérience. Peu importe si je manque d'expérience, je le compense par mon courage. C'est la maîtrise qui donne la victoire. Des centaines de combats me l'ont appris. Fight! Tu doutes encore de ma maîtrise? Pas du tout. Tu mérites largement ta victoire. Repose-toi, Raiden. Ce soir, tu affrontes ton dernier adversaire. $50 sur Kung Lao. Tu peux faire mieux que ça. Paris Sento. Tu peux rêver. Raiden, Kung Lao. Le vainqueur représentera le royaume Terre contre l'Outre-Monde. C'est une lourde tâche qui n'est pas à prendre à la légère. Si vous renoncez maintenant, votre honneur sera sauf. Je veux me battre, Seigneur Liu Kang. Et moi aussi. Alors que le meilleur gagne. Abandonne, Raiden. Tu ne m'as jamais battu. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ah ouais? Si les moines m'ont appris quelque chose, c'est que la seule constante de l'univers est le changement. Fight! Yeah!
Tu vois, il y a une première fois pour tout, Kung Lao. Vous vous êtes tous bien entraînés, mais Raiden a excellé. Ce dénouement ne me surprend pas. Comment est-ce possible?